Donc, comme vous l'avez constaté, c'est autour de la réconciliation en Guinée forestière. Puisque vous savez que dans toute la Guinée, la région de la Guinée forestière est celle où il y a le plus de conflits interethniques. Dans les autres régions, il n'y en a pas. Seule l'unité, seule l'union peut régler le problème. La divergence, on peut se disputer, c'est normal. Les problèmes entre les hommes, c'est normal. Si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pourrez jamais avoir de problème. Mais le fait de résoudre les problèmes par la violence, le fait de refuser de régler les problèmes, c'est ce qui est bon. Hey. Alors comment ça se passe là? Ça se passe aux Zulus, ça? Vous attendez la Guinée ici. On y va. Je veux m'amener à Marie.
Voilà. Aujourd'hui, ici rassemblés, je me permets de présenter mes deux invités, Docteur Benemou Michel. Applaudissez beaucoup. Et voilà. Le président de la coordination des associations de la Guinée forestière. Monsieur Camara Ibrahima, le président de l'association Socia Konia. Applaudissez votre monsieur. Il est le porte-parole de la coordination des associations de la Guinée forestière. Alors, ce soir, on vous a réunis et justement, c'est pour quelque chose. Mais en tant que professionnel, nous avons un journaliste. Malheureusement, c'est mon frère, mais je sais aussi parler. Mais bon,
Monsieur Tavaguez, à vous la parole. Et Valérie, heureusement. Et est-ce que la soirée là, ça se passe bien d'abord? Cool! Bien! Moi, est-ce que ça se passe bien? Bien! On applaudit très fort! Ouais. Ouais. Merci beaucoup! Ah, mais c'est bien ça, c'est bien ça! Hey, avec vos grosses têtes là, vous nous asseyez, on applaudit le pas. On applaudit encore très fort! Merci! Ça va, ça va, ça va, on est content! Ce soir, l'honneur m'est choix d'être avec vous, d'être avec ces personnalités ici présentes. Et pour, n'est-ce pas, passer de 2014 à 2015, ça fait 2 ans qu'on ne s'était pas vu. Hein? Merci. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Depuis 2014, c'est maintenant là que je vous vois. Ça fait 2 ans, non? Oui, oui. Oh, applaudissez très fort pour vous. Voilà. Comme ça, ça pas. 2 ans que je ne vous ai pas vu. Ah, c'est bien ça. Depuis 2 ans. 2014-2015, ça fait combien d'années? Désolé. Alors, vous savez, quand on parle de la Guinée, on parle de la famille. Depuis très longtemps, quand on était là-bas, on disait, la Guinée est une famille. La Guinée est une famille. Donc vous êtes une famille. Voilà, regardez, ils sont. Regardez, c'est pour moi, j'ai été marginalisé ici parce que je ne fais pas partie de la famille. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous connaissez là où je. Vous connaissez mon origine? Moi, je suis de Moussadou. Ah, vous connaissez. Qui connaît Moussadou? Ah, voilà. Mais où je suis actuellement, où hein, quand on dit Bibi Tanaka, on dit il est de Zoro. Zorota est où? Vous avez vu? La Guinée est une. C'est comme ça. Rien à faire. Alors, nous ici en France, nous ici en Europe, il n'y a pas de malinqué, il n'y a pas de soussou, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de Koneangi, il n'y a pas de Konea, il n'y a pas de Belin, il n'y a pas de Loma, il n'y a pas de Kissi, il n'y a pas de Mono, il n'y a pas de. Je suis désolé, il n'y a rien. La Guinée est une famille. Alors donc, je disais tout à l'heure que la Guinée est une famille. C'est pourquoi on est unis ce soir pour entrer ensemble les deux pieds, les deux mains. Dans 2015, voilà. Vous savez, chez nous, en forêt, il y a ces choses qui se passent. Et c'est des choses souvent malheureuses, mais pour lesquelles on n'a pas d'explication. On n'a même pas de solution. On n'a pas d'explication et même les solutions sont difficiles à trouver. Mais nous, ici en France, nous voulons montrer à la face de la Guinée, à la face du monde, que la Guinée est une famille, l'Afrique est une famille, le monde est une famille. Il ne sert à rien de dire ah, parce que tel est bien de ceci, tel est bien de ceci. Moi, j'étais personnellement au mois de juillet 14, 15, 16, 17, 18 juillet 2013 à Zérékoré. L'événement s'est passé devant moi. Et puisque je parlais un peu belin, un peu konéen, un peu malingué, partout où je passais, on disait Yabou, Bébaya. C'est notre artiste. Vous comprenez un peu? Je parle de l'autre côté. Et toi? Il dit, mais c'est Tavaguez, et vous savez, Tavaguez là-bas, ils ne connaissent pas. Hein? Quand on dit Tavaguez, on dit c'est un espagnol. Alors qu'en réalité, c'est Tavaguez, ça veut dire que mon père a transformé à Tavaguez. Tavaguez, ça veut dire que il n'y a que l'union qui fait la force.
la dispersion ne fait pas la force, la désunion ne fait pas la force. C'est ça notre nom, Tarahuagé. C'est ça l'union. Vous comprenez un peu? Applaudissez très fort pour vous-même. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes ici pour montrer aux gens de là-bas, nos frères, nos pères, nos mamans, nos grands-pères, que nous sommes unis ici. Au lieu de penser à d'où nous venons, chez nous là-bas, hein, tu viens d'où, hein, toi tu es de Bella, toi tu es de Yungu, toi tu es de Lola, toi tu es de Masanta, toi tu es machin, c'est inutile. Unissons-nous, développons notre pays, au lieu de venir en France. Pourquoi ne pas aller là-bas? Nous, moi, je voudrais qu'un jour, qu'on dise maintenant, les Français cherchent le visa pour aller à Guinée forestière. Et ils ont des problèmes, ils vont tomber. Ils sont en train de se battre pour tomber dans la Méditerranée, aller au Maroc, traverser la Mauritanie, le désert, Mauritanie, Sénégal. Et quand ils viennent à la frontière, on dit regardez les immigrés là. Vous allez où? Applaudissez pour vous très fort, mesdames et messieurs. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Alors, donc. Mes deux présidents, mes deux coordinateurs sont là, ici présents devant vous, pour montrer que, ici en France, nous sommes unis. Nous sommes indissociables. Nous sommes inséparables. Nous sommes même père, même mère. Et nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour aider ceux et celles qui, dans les manifestations des Eurocorées de 2013, ont perdu la vie inutilement. Inutilement. Nous, à cause de notre orgueil, à cause de notre méchanceté, inutilement, inutilement. On voudrait que ce soit une première et une dernière. À présent, nous allons demander regardez leur visage. Est-ce que vous êtes concentré? Sinon, non, vous n'êtes pas concentré. Alors, voilà. Et ici, devant vous, nous, les enfants du pays de la Guinée forestière, nous aimerons juste dire à nos deux sages ici présents, M. Camara Ibrahima, M. Michel Benemou, que désormais, vos fils unis veulent vivre ensemble, pour de bon. Plus de guerre, plus de palais, plus de cognacs, plus de guerres, j'ai tout le monde uni en Guinée forestière. Et ceci, c'est quelque chose, c'est à eux d'aller conseiller, d'aller transmettre notre message à toute la communauté forestière que ce qui s'est passé, c'est fini. On n'en veut plus. La première des choses, il y a des gens qui venaient juste là, devant votre porte. Ils ont vu que il y avait des noirs, et parce qu'ils étaient noirs, ils ont dit « Ah, c'est notre soirée, ils sont rentrés. » Parce que nous ne sommes pas chez nous. La première identité, c'est la couleur. La deuxième, le langage. Dès que tu appelles derrière un bout de fil, on sait d'où tu viens. Dès que tu es malade, tu dis « Ah, mon ami, je n'ai pas compris l'affaire là. » Et c'est comment? Le gars, il va dire directement « C'est un immigré. » Donc aujourd'hui, nous ne voulons plus ça en Guinée forestière, parce que quand on arrive ici, nous sommes uniques, indivisibles. Donc, voilà. Je passe la parole à M. Ibrahim. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs, mesdames. Je vous remercie très personnellement
pour tout ce que nous faisons ensemble. Avec ce que nous sommes en train de faire, je suis certain que tous les problèmes qui sont entre nous en Guinée forestière, nous allons les résoudre entre nous. L'exemple que nous sommes en train de donner, je souhaite que nos frères, nos parents qui nous écoutent, qui nous suivent et qui suivent tous les événements que nous sommes en train de faire, celui qu'on a fait le 20 décembre contre Ebola, celui que nous sommes en train de faire pour la réconciliation de toute la Guinée forestière, qu'ils nous regardent et qu'ils nous suivent et qu'ils nous emboîtent les pas. Seule l'unité, seule l'union peut régler le problème. La divergence, on peut se disputer, c'est normal. Les problèmes entre les hommes, c'est normal. Si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pourrez jamais avoir de problème. Mais le fait de résoudre le problème par la violence, le fait de refuser de régler les problèmes, c'est ce qui est le mal. Donc, moi, je dis qu'au nom de l'association CONIA, nous sommes satisfaits de cette nouvelle collaboration qu'on a entamée et nous souhaitons que ceci soit transmis. Sauf que nous prions nos autres frères, que ce soit Thomas, Kissi, Mano, Kono, de venir avec nous pour aplanir nos problèmes. Qu'ils viennent, on aplanisse nos problèmes. Et à ce point, moi je vous dis merci et nous sommes de cœur avec toute la communauté française. Je vous remercie. Après tout ce qui a été dit, moi je n'aurai plus grand chose à ajouter. En fait, c'est juste pour recadrer les événements d'aujourd'hui. Donc comme vous l'avez constaté, c'est autour de la réconciliation en Guinée forestière. Puisque vous savez que dans toute la Guinée, la région de la Guinée forestière est celle où il y a le plus de conflits interethniques. Dans les autres régions, il n'y en a pas. Parce que tout simplement, il y a une grande diversité ethnique là-bas. Il y a près de 12 groupes ethniques qui sont en Guinée forestière. Et donc la cohabitation, chacun avec sa culture, chacun avec sa religion, la cohabitation n'est pas facile. Donc il y a eu beaucoup d'événements à Beyla, à Koulé, à Zérékouré, à Garapaï, plein de problèmes comme ça qui ont miné donc la vie de la Guinée forestière et qui empêchent son développement. Donc l'exemple que nous donnons aujourd'hui, comme il l'a dit, ça doit servir au pays. Et nous n'allons pas nous arrêter à ce que nous faisons ici. Nous formerons des délégations qui iront pour pouvoir contacter nos parents restés au pays. Eux-mêmes, ils ont déjà fait de grands pas dans ce sens. Donc nous ne pourrons que les aider. Et je suis content que l'initiative de ce soir, de donner donc la couleur de réconciliation, vienne de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Si eux, ils ont compris, je pense que c'est quelque chose qui va porter. À cela, je voudrais ajouter aussi que les fruits de la soirée d'aujourd'hui seront entièrement consacrés à la lutte contre Ebola en Guinée. On a déjà fait une manifestation le 20 décembre dernier où on a récolté une forte somme d'argent qui va être ajoutée donc à celle-ci pour être envoyée intégralement en Guinée pour la lutte contre Ebola. Donc à ce stade, je redonne la parole au journaliste Tara Pagan qui va donc conclure. Ok, merci beaucoup, on est très content. On applaudit très fort pour ce doyen. Wow.
Ok, donc nous allons donc passer à la présentation de nos honorables invités ici présents et qui ont bien voulu faire le déplacement pour nous faire honneur. Alors, on va aller très vite. Hein. Ouais. Il dit, c'est pas la peine de nous nommer, nous deux, on a déjà connu. Non, vous n'avez rien attendu. Voilà. Alors, ici présent, nous avons le doyen Joachim Tonguino. Mesdames et messieurs, Joachim Tonguino. Mais on a mis des doigts pour Joachim Tonguino. De l'association Lungo. Voilà. À côté, j'ai dit monsieur de Poël, Joachim Tonguino, mais c'est monsieur. Monsieur vient toujours avec eux. Nous présentons Madame Tonguino, mesdames et messieurs. AFAS, AFHF. Ici présent, Madame Sénori Cissé, Madame Sénori Cissé, elle est où? Merci mon bon appétit, très fort pour elle. Voilà. Et nous avons le suspendu, Monsieur Kamara Lancinet, journaliste, mesdames et messieurs. Bonne voilà. Vous l'avez vu? Ah, moi, je suis pas seul dans cette salle. Hein. Avec ma grosse tête là, bon, c'est pas grave. À côté, nous avons monsieur Mohamed Lamine Keita du Grand Mandel. Lamine Keita. Voilà, la petite très fort. Ah, tout le monde est représenté ici. Je viens de voir la passeport. Je viens de voir la passeport. Le poisson. Ah, on applaudit très fort pour M. Campbell ici, c'est de la passeport. Voilà. Et Madame Kouma, à vous, on applaudit très fort. Et c'est bien ça. Un nombre, hein. Nous avons aussi la présence de M. Soumaoro Souleymane. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà. Allez. Alors, merci beaucoup du déplacement. Merci d'être venu. Nous allons... Et vous savez, ici, là, il y a des gens ici, là, nos doyens ici, là, qui ont beaucoup fait pour cette communauté forestière, qui ont beaucoup fait pour la Guinée. Donc, c'est l'heure de leur remettre, de reconnaître leurs bienfaits. C'est l'heure de leur donner un satisfecit. Je vais procéder, c'est symbolique. Mais c'est très fort. Alors, voilà. Donc, c'est toujours travailleuse. Hein. Je continue sans plus encore, j'ai un peu plus grand. Donc, voilà. La communauté, la jeunesse forestière a pensé qu'il est très important de récompenser ces personnes qui ont toujours voulu que cette communauté soit une, qui se sont battues. Malgré le faible nombre, malgré l'autre difficulté à rassembler, à se rassembler, ils ont toujours fait le nécessaire. Et c'est ce soir que la communauté forestière a décidé de dédier des diplômes de satisfaction à certaines personnes.
ça ne veut pas dire que les autres ne font pas trop. Tout le monde fait. On a besoin de tout le monde ici, dans cette communauté. Et ce soir, nous vous demandons d'applaudir beaucoup pour M. Joacin Tonguino, s'il vous plaît. Voilà. Et je pense que ce monsieur, tout le monde le connaît. Et j'espère qu'il a un petit mot à dire au public. Je salue tout le monde et je suis très heureux de voir que beaucoup de personnes se sont déplacées aujourd'hui pour venir nous rejoindre. Et je tiens particulièrement à remercier toutes ces personnes qui se sont déplacées pour venir. Je souhaite que le mouvement qui a commencé à prendre pied puisse aboutir un de ces jours. En tout cas, merci à tous les jeunes, à toutes les personnes aussi moins jeunes qui sont aujourd'hui là. Et j'espère que vous l'entourez, l'accompagnerez pour réaliser notre rêve qui est d'unir notre pays, la République de Guinée, et particulièrement la région un peu, disons, agitée, dont le docteur Benemou nous a parlé tout à l'heure. Et je souhaite vivement que le plus vite possible nous réalisons cette unité. Voilà, merci bien à tous. Applaudissez beaucoup pour M. Tonguino. Merci beaucoup, M. Tonguino. Voilà. Et nous avons parmi nous l'une des grandes personnalités. Je vous demande d'applaudir encore. Monsieur Sémori Cissé, sur la place, s'il vous plaît. Et ce diplôme sera remis par Monsieur Théoulo. Merci. Yeah. Les acolytes. On applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que c'est un message que j'envoie à Beyla et à Zérékoré, Kérouani, Massanta, Gekedou, Kissimia. Aïtroma l'a dit même voilà, Yana. Diplômé d'Inine, papier médine, papier fouté, imam de la France, Yana. Au Kotimina, Zérékoré, Massanta. Et que nous, à moi, je suis cassé là. C'est la première fois que je suis là, les Français, il y a qu'à moi, il a dit. Qu'à moi, il a dit, quand on j'ai même parlé plusieurs fois à Solo. Bah, pour Solo, je suis là, Solo, je suis là. Pour moi, deux crimes, quatre, deux crimes, quatre, trois crimes. Pour continuer à mon bras là, à moi, je suis cassé là. Moi, je suis là, moi, je suis là, je suis voilà, mais quand on a bon l'homme, il faut bien qu'il y ait un bon génie au Cameroun. Il faut pas au Cameroun. Mais fait fait, il y a un ambassadeur, il est quand même à mon bras. Ben, il est à mon bras. Nous, il y a un peu de moi, il est moi, il est pour vraiment. Donc, nous devons faire quoi, il y a un peu de parce que vous voulez. Donc, excusez-moi, c'est un message que j'envoie à la communauté Kouania. Et c'est pour leur dire que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et ça nous fait mal quand il y a des problèmes au pays. Nous sommes vraiment pleurs ici. Donc, il faut que nos parents, chacun ambassadeur, et chaque personne qui est là, il y a toujours un message envoyé dans les familles. Donc, il faut qu'on se donne la main. Et c'est la première fois que la communauté forestière sur ce retour. Et là, c'est un événement exceptionnel. Donc, je vous remercie. Je remercie tous les amis. Et les amis qui m'ont accompagné, il y a Kamel Keïta, il y a Kamel Cissé, notre doyen là, Frère Lanciné. Donc, franchement, je remercie les deux, surtout M. Keïta et M. Kamel Cissé. Je vous remercie. Encore
on va vous dire que c'est pas fini, il y en a beaucoup. Parce que comme on a dit, c'est l'union qui fait, il y a beaucoup qui viennent et on aimerait donner ce diplôme à tout un chacun. Donc, ce n'est qu'un début. Et je vous demande d'applaudir beaucoup pour Madame Kuruma Fantakoni. Voilà, merci beaucoup à Madame Kuruma Fantakoni. À présent, je vais vous demander d'applaudir très fort pour un monsieur. Et ce monsieur, il s'agit de Monsieur Soumaro Suleiman, s'il vous plaît. Applaudis. Applaudissez très fort pour M. Soumaro Suleiman. Et ce diplôme sera remis par Madame Kamara. Ça, c'est mon maman. Merci beaucoup. Voilà. Je remercie tout le monde d'être venu. Je remercie tous qui sont là. Et je voulais vous demander quelque chose de très simple. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait faire une minute de silence pour tout simplement ceux qui sont tombés pour Ebola? Merci. 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 Levez-vous et puis faites une minute de silence pour ceux qui sont morts pour Ebola. Merci. Et je pense que c'est tout ce que je pourrais ajouter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Suleiman. Donc, vous avez vu ce monsieur qui s'est beaucoup battu. Le président de l'association humanitaire pour la Guinée-Forestière, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous avons ici présente Madame Doré l'année. Applaudissez beaucoup pour cette dame qui s'est fait représenter par sa fille Nakana. Voilà, et ce diplôme sera remis par monsieur Alphonse, mesdames et messieurs. Alphonse, le doyen. Voilà. On applaudit très fort. C'est sa fille qui la représente. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, ça me touche beaucoup. Merci pour ma mère. Elle n'a pas pu venir, mais... cette reconnaissance, il faut vraiment, vraiment qu'on le fasse tous les jours pour nos doyens, parce qu'ils le méritent, quoi. Et puis vraiment, merci d'avoir pensé à toi. Merci à vous. Merci beaucoup. Ce soir, nous avons
beaucoup de diplômes. Et ces personnes, malheureusement, ne se sont pas présentées parce qu'il y a eu des empêchements des dernières minutes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas leur diplôme. Tout simplement, nous devons applaudir pour ces personnes. Nous avons ce soir Koibogi Marthe Dédé, que je vous demande d'applaudir beaucoup. Et voilà. Et son diplôme, on va remettre à Dr Benemou. Voilà. Vous avez ici Monsieur Koné Wafing, que je demande d'applaudir beaucoup, parce qu'un message qui va lui être adressé. Voilà. Et ce diplôme doit être remis toujours à la coordination. On me dit de remettre au frère Lancelet qui va transmettre le message. Voilà, pour moi vous êtes des bâtisseurs d'avenir. Vous êtes la jeunesse, vous êtes l'avenir de notre pays. Je suis fier d'être avec vous. Parce que vous n'avez parlé que de choses sérieuses. La paix, rien que la paix. On ne peut rien faire sans la paix. Lors de la réunion du 20 décembre, j'ai demandé aux jeunes qui cassent les centres de recherche contre le virus Ebola que ce n'est pas ça la jeunesse. On n'attaque pas les médecins. On n'attaque pas les humanitaires. On n'attaque pas les chercheurs. Parce que si nous voulons nous en sortir, c'est en encourageant les créateurs, les mathématiciens, les géographes, les inventeurs. Je compte sur vous pour être les ambassadeurs pour bâtir la Guinée nouvelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissez beaucoup pour le doyen. Et à présent, ce soir, vous avez un de nos doyens qui n'a pas pu faire le déplacement. Et il s'agit d'un grand monsieur qui a été le... Je pense qu'aujourd'hui, il est le plus âgé, hein, le doyen des anciens combattants de la Guinée en France. Il s'agit de Lama Michel. Applaudissez beaucoup pour Lama Michel. Donc, Lama Michel, il n'a pas pu faire le déplacement. Voilà, par contre, sa fille va prendre le diplôme pour lui. Voilà. Et à présent, je demande à Théamou de remettre ce diplôme. Voilà, si vous avez un petit mot à ajouter. Un petit mot, ce sera rapide parce que les choses les plus courtes sont les meilleures. Mon père, le doyen de la communauté, en tout cas au niveau des anciens combattants, j'aurais été très fier de recevoir ce diplôme parce que lui, il aime trop les diplômes. Donc un diplôme remis par des gens qui soutiennent une action en forêt, une action qui permet de réunir toutes les communautés, vraiment je pense que là, demain quand je vais lui dire ça, il va dormir tranquille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà. Voilà. Et tout à l'heure, nous avons aussi des personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement. Et je vous demande d'applaudir pour M. Loyer Pierre. Loyer Pierre, c'est en français. Mais depuis qu'il est avec notre sœur Yolande, il est toujours avec nous pour les organisations. Et aujourd'hui, il n'est pas là tout simplement parce qu'il a un problème de santé un peu difficile. Donc, ce monsieur aimerait bien être avec nous. Mais voilà. Et nous l'attendons, j'espère. Voilà.
Ok. Et aujourd'hui, ce soir, nous avons aussi une dame. Donc, Madame Mansaré Aïe. Je se demande d'applaudir beaucoup pour elle aussi. Elle n'a pas pu faire le déplacement. Et ce diplôme, nous remettons toujours à Nakana qui va transmettre la commission. Donc, le doyen, ça vaut le. Vous la transmettez ce diplôme, comme quoi, même si elle n'est pas avec nous aujourd'hui, on est avec elle. Voilà. Et ce soir, nous avons aussi le plaisir de rendre hommage à quelqu'un qui n'était pas là, qui ne pouvait pas venir aussi. Il s'agit de Monsieur Pogba Antoine, le papa de Pogba. Je vous demande d'applaudir beaucoup. Voilà. Et ce diplôme, on remet. Au doyen. Aujourd'hui, nous avons aussi le diplôme d'un monsieur qui a beaucoup fait aussi pour nous. Je vous demande d'applaudir beaucoup. Il s'agit de monsieur C. Gonga. Je vous demande d'applaudir beaucoup. Voilà. Et ce diplôme, sa femme étant présente, je vous demande de remettre ce diplôme à Diane. Je vous remercie au nom de mon mari. Franchement, avec un plaisir. Merci beaucoup. Alors, nous avons aussi nous avons une personne qui est sur la liste d'un diplômé, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'imprimerie. Mais ce n'est pas le papier, surtout, c'est ce qui est derrière. Je vous demande d'applaudir pour Pascal Zézé, s'il vous plaît. Monsieur Zézé Pascal. Voilà. Monsieur Zézé Pascal sur la piste. S'il vous plaît. Voilà. Alors, le doyen, il a eu son diplôme. Mais on devait nous donner ça depuis hier, on n'a pas eu. Les autres sont arrivés, ils disent qu'il y a une omission, le gars devait nous envoyer, on n'a pas reçu. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit attendre une autre année, je le fais dans le lot. Donc, doyen, votre courrier sera à la maison avec tous les honneurs. Donc, si vous avez un petit mot à dire à la communauté. L'indépendance, toute la forêt, il n'y avait pas de Syrie. On oublie ça en Syrie pour développer notre département de la Guinée. Merci beaucoup. Applaudissez beaucoup pour le doyen. Merci beaucoup. Alors, je pense que les pieds ont commencé à gratter, il va falloir qu'on danse un petit peu. Et je remets le micro au doyen, peut-être pour. Une fermeture, quelque chose. Voilà. Donc, les doyens disent c'est bon, ils veulent aussi danser. Je vous informe qu'il y a à manger, on est là jusqu'à l'aube. À 6h du matin, il y a des bouillons de moutons qu'on va prendre. Vous inquiétez pas, la salle, on est là jusqu'à midi. La dame est là-bas pour elle. Elle est aussi pour la forêt. Donc voilà. Didier, on y va, c'est parti. Et merci beaucoup hein, pour votre patience. Ça, c'est bien. Les amis, big up. Voilà.
n'attendons pas l'État pour faire ce que l'homme peut faire. Et c'est la soirée qui continue, la famille. Avec l'unité, la voix, wow. Le peuple de la Guinée, un paradis. Merci à tous et à tous. Quel faux sortisme, bannissons l'égoïsme, bannissons les Madame, c'est...
applaudit très fort pour une dame. Il s'agit de Martha Deder Koivogi, sur la couture de Pierre. Voilà. On a parlé d'elle, elle est arrivée. On ne peut pas aussi s'éteindre là-dessus parce que elle a eu la médaille en Belgique pour l'une des femmes les plus braves à l'étranger, donc elle est guinéenne, Marc de Récologie, abolition de l'Ouvrage. Et alors, l'une des causes qui nous réunit ce soir, c'était Ebola. Donc ma soeur avait fait un conteneur d'équipement pour la Guinée. Et le conteneur n'était pas qu'à Guinée. On était là. On l'appelle, on a dit, il faut te donner le conteneur. Envoie encore des millions. Elle dit, t'avais dit, ça c'est chaud, c'est pas possible. Ils envoient ça pour les aider, on me demande. On fait quoi? On dit, non, on appelle le ministre. Au bout du fil, c'est débloqué, le conteneur a été livré à la population et elle, elle a fait ce conteneur. Applaudissez beaucoup pour m'accueillir. Donc ce soir, la communauté forestière réunie ici pour fêter le réveillon a souhaité distribuer des diplômes de satisfaction parce que tout ce que vous faites, ce n'est pas pour vous, c'est pour toute la communauté, c'est pour la Guinée, c'est pour l'Afrique, c'est pour le monde entier. Et ce soir, l'honneur est à M. Camara Ibrahima de vous donner ce que vous méritez. Marc-Dédec, voilà ce que la communauté forestière a fait pour vous. Un petit mot. Oui, en fait, bonsoir à tout le monde. Avant d'arriver ici, c'est ma quatrième rencontre depuis ce matin. Voilà, comme on dit chez nous, tu fais le tour du monde, mais tu termines toujours dans ta famille. Donc j'ai fait le tour et je suis très ravie d'être dans ma famille. Et je suis très très contente également que maintenant dans la communauté guinéenne, les associations prennent maintenant l'initiative d'encourager. 10 ou 20 années en arrière, si vous reculez, les Guinéens ne s'encouragent pas. Au contraire, quand une personne essaie d'avancer, soit une personne ou un groupe de personnes essaie de l'empêcher. Et vraiment, je remercie le Seigneur que ces 5 dernières années, les choses commencent à bouger. Qu'un compatriote ou un groupe de personnes se lève et se disent on va récompenser ou encourager telle personne. Ce prix n'est pas mon prix. Ce prix est un prix pour tout un groupe. Le prix que j'ai reçu également à Bruxelles, Femmes Guinéennes 2014. De l'année en Europe, c'est votre prix. Thank you.
Toujours, toujours,
Thank you.
ça se passe aux Unis, ça. On s'attend sur la Guinée ici. On y va. Thank you.
Hey!
Yeah.
Il te trouve de tes mères, de toutes les
le maire de Paris.
Yeah.
Bagaga, 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 bagaga.
Désolé, 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 dés
Yeah.
Yeah.